Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo de raid. On est actuellement sur la base de Julio Gamer. C'est une base que j'ai trouvée sur YouTube, qui a été raid par Benichou notamment. Mais je n'ai pas trouvé de vidéo récente, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pris qu'un seul C4, on va voir si ça suffit toujours. A priori, on devrait se mettre pas trop mal sur cette base. Ouais, il faudrait peut-être que je trouve déjà l'entrée de la base. Voilà. Donc moi je vais péter au niveau de la porte d'entrée, comme d'habitude, pour ne pas faire péter un truc derrière, qui serait pas utile, parce qu'il y a beaucoup de trucs vides sur cette base. Bon, alors je prends un premier pic. Alors, il va y avoir essentiellement les trois coffres qui vont m'intéresser, je crois. Donc celui-ci, pour commencer. Voilà, full tenue SWAT. Ça, ça m'intéresse. Et ces deux-là, notamment celui-ci, que j'ai envie d'ouvrir tout de suite, parce que... Je vais voir si ça vaut le coup. Ah ! Voilà, on est dérangé. Je baisse le son. Allez, on y va. J'espère que vous pourrez avoir la vidéo parce que là, les derniers enregistrements que j'ai fait, en fait, j'ai compris. C'est que j'avais déplacé le lieu de sauvegarde des vidéos sur ma carte SD et apparemment, pour YouTube, ça marche pas. Donc, j'ai remis sur le téléphone. Donc, voilà. Boum ! Allez, ça, c'est bon. C'est fait. Et ici, normalement, il y a encore une petite tenue SWAT au cas où on n'en est pas assez de l'autre côté. Voilà. Donc, on va se débarrasser d'une grosse partie de tout ça. Voilà. On va aller en mettre dans le chopper. Et puis, on va se suicider gentiment sur les petits pics qui sont ici. Il est où mon chopper ? Purée, j'ai eu peur de ne pas avoir pris mon chopper. Oh, ça c'est le petit coup de stress, des fois on sort un peu vite de la base. Alors ça me l'a fait en farm, en zone de neige. Voilà, ça c'est bon. Ok, ensuite on va tout simplement... ouais mais les pics sont loin, putain. Je sais pas combien de bruit je suis, je vais peut-être faire pop une deuxième vague pour voir ce qu'il y a. Alors a priori les autres coffres seraient vides. Bon là il n'y a plus rien. Bon là il y a mes haches, mais si je range, il n'y a rien d'autre. On va se reprendre deux petites haches pour essayer de voir les petits coffres. Des fois dans les petites boîtes, il y a des trucs sympas. On va voir. Je sais que les malles sont vides parce qu'elles ont déjà été ouvertes par d'autres. Oh, de la planche, je prends. On a 47, on devrait avoir une vague normalement qui devrait arriver ici. Ok, c'est pas formidable, c'est pas extraordinaire. C'est pas grave, butez-moi ma tenue. J'en ai suffisamment sur la base. En vrai, là, ce que j'aimerais, c'est du loot de farm. Genre du cuir, des trucs comme ça, parce que j'ai plus le temps de farm. Allez, on ouvre la dernière petite boîte. Normalement, c'est les derniers trucs qui sont censés contenir du loot. Ouais, bon, du bois, j'en manque pas. On verra ce qu'on prend. En revenant, on va aller ranger les petites bricoles dans la base. Il y a une petite tenue de farm. Donc voilà, voilà. Allez, on se suicide gentiment. Et on se retrouve quand je reviens. A tout de suite. Et nous voici revenus donc sur la base. On va récupérer notre stuff. Je sais plus où je me suis suicidé, moi. Ah ! Ah non, j'étais en haut. Dis-moi que j'étais en haut quand je me suis suicidé. Where is my body ? Ok. J'ai eu peur deux secondes. Tac. Allez, on s'équipe vite fait. On va se mettre ça là, ça là. Des petites choses. Et puis on va commencer. Non, 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 non. C'est ça que je veux que tu fasses. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Alors. Il va bien sûr de soi que... je vais lui laisser mes conserves. Et mes bouteilles d'eau. Ça, c'est logique. Hop, on va se remettre comme ça. Ça m'embête parce qu'elle n'était pas morte, mais bon, je préfère une tenue SWAT
une tenue tactique un peu usée. On va mettre deux petites tenues. Ah, deux petites tenues dans le chopper. Non, il est là le chopper. Je vais peut-être le rapprocher d'ailleurs, quoique j'ai presque plus d'essence. Allez. Finalement, les planches, pas certain de les prendre. Je vais voir si j'ai de quoi compléter, de refaire des tenues. Si je peux en faire encore trois. Normalement, je dirais oui. Parce que j'en ai déjà ramené une, tu me diras. Je sais pas combien il en reste. Ouais, si, il y en a trois. Allez, hop, on va se les faire. Je te laisse ça, mon garçon. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. On va s'équiper de ça. On va te laisser ça. Merde. Merde, 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 merde. Qu'est-ce que je laisse? Ah oui, mais il me manque un casque au final. Donc je vais même pas pouvoir compléter. Là, j'ai plus rien, là, par mes haches. Non. Ici, non plus. Ok, on va reprendre une petite hache. J'ai envie de péter un coffre ou deux pour voir. Alors, remarque, je suis à 60 et quelques de bruit. Au pif, on va dire celui-ci. Ok, c'est non, c'est bien ça, elles sont vides. S'assure qu'il n'y ait pas de mob. Non, c'est bon. Bon. Alors, finalement, les planches, je vais pas les prendre. Mais je vais me constituer une micro-tenue, on va dire. On va se faire ça correctement. Voilà. Dommage qu'il manque un casque. C'est vraiment dommage. Mais bon, j'en ai sur ma base. Donc ça me pose pas de soucis. Ah, je suis garé par là. C'est vrai. Purée, elle est super loin du bord de map, là, sa base quand même. Donc ça fait une dans ma base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment 8, quasiment 9 tenues SWAT. 9 tenues SWAT, on va pas se mentir, pour un C4, c'est plus que rentable, en sachant qu'il y a aussi un VSS, un pompe, une AK, une M16, un Glock. Non, c'est très bonne base. Très, très, très bonne base. Bon, par contre, je vais avoir du mal à caser tout ça dans ma base, étant donné que je suis déjà full au niveau des tenues. Mais c'est pas grave, on trouvera bien une petite place. On va pousser les meubles. Allez, en cours. Normalement. Ah, je suis à 44. Ouais, il manque pas grand chose pour faire pop les events. Allez, on va payer vite fait les raiders. Et voir les nouvelles quêtes. De toute façon, quoi qu'il me demande, je suis obligé d'attendre. À moins que ce soit le SS4. Sinon, je suis obligé d'attendre le reboot de mon bunker. Donc, ça sera pas avant demain. Quoi qu'il en soit. Sauf si c'est le SS4, bien sûr. Du coup, ça je peux supprimer. Voilà, on va se faire ça. À la bien. Ça fait vraiment joli quand même. Il n'y a pas à dire. Allez, on va chercher de quoi payer ces messieurs. C'est quoi? Je vais être généreux, je vais t'en donner 6. Je suis un fou aujourd'hui. Je suis un fou, mais tu m'as régalé sur ce coup-là, donc ça mérite bien. Voilà. Allez. Salut Michel. Et encore merci pour cette très bonne adresse. On y retourne quand tu veux. Allez, on rappelle ces messieurs pour voir notre prochaine quête. Est-ce que j'ai récupéré mon motif Halloween? Ouais. Je crois que je vais me la faire. Je vais vraiment me la faire, le motif Halloween. Je trouve vraiment claque. Je trouve vraiment qu'il claque, pardon. Allez. Les 5 tourelles et le SS4. Formidable. Parfait. Alors, il n'y a même pas de temps d'attente. Deuxième raid dans la journée. C'est génial. C'est génial. Et ben voilà, les survivants, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de vengeance. Et d'ici là, je vous souhaite, vous le savez, une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!